Nos portraits de campagne nous emmènent ce soir à Jonny, à la rencontre du candidat Vert libéral, François Pointet. Selon lui, les Vaudois sont tous Verts libéraux, mais ils ne le savent pas encore. Francesco Brienza. OK pour vous ? OK pour moi. François Pointet a 47 ans. Il représente les Verts libéraux vaudois. Président du parti, il s'est lancé dans la course après le retrait de sa numéro 1, Isabelle Chevalet. Il a essuyé deux échecs en 2012 au Grand Conseil, puis au Conseil national en 2015. Il a choisi de nous rencontrer dans sa commune de Jonny. Alors nous nous trouvons sur la commune de Jonny, commune où j'habite, au sommet des escaliers du Roc de Brie. Et puis on a une vue assez emblématique sur la Riviera, puisque d'un côté on se trouve à l'extrême est de la protection du Lavo, donc des familles, des vignerons qui durant plusieurs siècles ont travaillé ce terrain pour en faire quelque chose de protégé maintenant, mais qui permet une activité économique qui est toujours très importante pour la région. Puis si on se tourne vers Vevey, on trouve le siège international de Nestlé, fleuron de l'économie vaudoise. Alors je me présente pour porter les valeurs Verts libérales. Je suis convaincu que les Vaudois sont déjà Verts libéraux, ils ont juste un peu de peine à se l'admettre eux-mêmes. Et je me sens capable de leur montrer que naturellement, ils doivent déposer un bulletin Vert libéral dans l'urne. Si vous prenez un maraîcher qui produit de manière durable et qui fait de la vente directe à des consommateurs qui consomment locaux, il est Vert libéral. Si vous prenez un propriétaire qui investit pour mettre des panneaux solaires sur son toit, il est Vert libéral. Alors c'est le message que je porte, ce message Vert libéral. Le Parti Vert libéral est le seul parti écologique de droite. Nous sommes consistants avec le message qu'on porte, c'est-à-dire qu'on cherche tout le temps des solutions qui allient les deux, contrairement aux partis traditionnels qui crient haut et fort leur attachement à la cause écologique, mais qui l'oublient très vite quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Voilà, j'espère que je n'ai attrapé qu'un. Votre rapport aux réseaux sociaux. Alors je suis un peu dans ce que je considère la génération un peu intermédiaire. J'ai dû apprendre l'émergence des réseaux sociaux, donc j'essaie de l'utiliser, certainement de manière un peu maladroite, souvent. Et puis j'ai des adolescentes qui sont très efficaces et qui savent des choses beaucoup mieux que moi. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pointet. À noter que demain, mercredi, nous nous intéresserons à la candidate socialiste sortante Nouria Gorité.